Je suis un petit peu triste ce soir parce que c'est la dernière de la semaine, c'est la dernière quotidienne sur LCN pour cette semaine numéro 43. Mais évidemment, rassurez-vous, la quotidienne sur LCN revient dès lundi prochain à 18h15 jusqu'à 19h15. Je vous rappelle, puisque c'est encore tout frais, que vous pouvez nous retrouver aussi tous les jours à partir de 20h en léger différé sur le canal 33 si vous avez bien réglé votre recherche automatique de chaîne et aussi si vous avez une box orange sur le canal 269. Stéphanie, à nouveau bien entourée, un coach sportif, des artistes, et je vous laisse le soin de les présenter parce que c'est votre spécialité sur LCN. Alors oui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Rousseau et Éléonore Guipouy de la Presque Compagnie. Donc c'est une compagnie que vous avez fondée en 2007, vous la qualifiez de joyeux laboratoire. Alors c'est quoi la Presque Compagnie ? Alors la Presque Compagnie, c'est nous deux plus des interprètes. Et en fait, on mélange danse, théâtre, vidéo, performance, un peu tout ce que nous sommes, puisque chacune d'entre nous ont des qualités différentes, qualités des métiers différents, etc. Donc chacun des parcours différents. Alors, vous allez présenter un spectacle à la Maison de l'Université la semaine prochaine, mardi 29 octobre à 20h, qui s'appelle La Parade. C'est quoi La Parade ? Alors, La Parade, ça s'appelle La Parade Variation sur les objets ménagers. Ça parle donc des objets ménagers. On est parti de rencontres avec des personnes, donc des femmes âgées, donc plus de 80 ans. Donc vous avez fait des interviews, des enquêtes pour créer ce spectacle. Exactement, bah, surtout pour se renseigner, puisque nous, on n'a pas connu cette révolution ménagère. Et donc voilà, on a voulu les rencontrer. Et puis après, ça nous a servi comme support. Pour créer ce spectacle qui est un spectacle basé sur l'après-guerre, mais un spectacle sur les témoignages, voilà. Mais aussi sur les objets en eux-mêmes, parce qu'on les trouve, ils sont ludiques, sur des objets vraiment... Oui, ça peut être le batteur électrique, comme on voit là à l'écran, ou alors la cocotte minute, tous ces appareils électroménagers de la folie ménagère des années 60 de la société de consommation. Et vous rendez un peu hommage aux femmes qui étaient au foyer de cette époque, c'est oui, ça qui ont connu l'arrivée de l'électroménager, justement. Qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur vie? Est-ce que ça leur a fait gagner du temps? Est-ce qu'elles ont eu plus de temps pour leurs loisirs ou pas? Est-ce que Moulinex a changé leur vie, les a libérés? Parce qu'on est parti des slogans aussi. Moulinex libère la femme, donc on leur a demandé, est-ce que Moulinex vous l'a libéré? Et vous, les batteurs à œufs, Stéphanie, ça vous change la vie? Je sais, parce que cette semaine, on a reçu un grand chef et vous avez avoué à l'antenne devant tout le monde que vous ne faisiez pas la cuisine. Non, je ne fais pas la cuisine. Eh bien, il faut vous équiper, Tupperware, batteur à œufs, robot ménager, vous la conseillerez tout à l'heure. Alors vous, justement, quel est votre objet ménager préféré? Moi, j'aime beaucoup la centrifugeuse, en fait. Waouh! Vous aimez beaucoup la centrifugeuse? Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, chacun son truc. C'est ça. Et vous, Charlotte? Alors moi, dans la vie, aucun. Mais dans la vraie vie, moi, voilà, non. Et mais sur scène, oui, évidemment, on a par exemple un séchoir, un casque qui se gonfle. On a des masseurs avec des picots durs. Et sur scène, alors, vous êtes combien? Vous êtes... On est trois. Trois. Et c'est un spectacle donc qui mêle aussi de la danse, de l'humour. Alors, nous, ce qu'on fait, je ne sais pas si c'est drôle, mais nous sommes des gens un peu drôles, donc ça transparaît. En tout cas, c'est original. C'est ça, c'est original. C'est original, oui. Ouais. Et puis, vous me disiez tout à l'heure, en fait, que c'est difficile à décrire, ça veut donc dire... Les meilleurs spectacles, d'ailleurs, sont ceux qui sont difficiles à décrire, ça veut dire qu'il faut aller les voir, parce voilà, qu'en fait, c'est toute forme d'expression confondue. Vous reniez un peu le terme de performance artistique, que vous n'aimez pas trop, mais voilà, vous mélangez plusieurs formes d'expression. Non, c'est pas que je renie la performance, au contraire, j'adore ça, mais comme c'est écrit de A à Z, oui, performance, voilà, ça a plutôt trait, peut-être, à une forme d'improvisation, peut-être. Voilà, ça peut être lié à ça, c'est pour ça qu'on tient vraiment au terme de spectacle. Maintenant, oui, ça mélange un peu tout. Alors j'aimerais juste qu'on revienne peut-être sur la compagnie. Maintenant, c'est une compagnie qui est basée à Rouen, c'est ça? Vous proposez aussi des stages, des ateliers pour les enfants? Non. Non? Alors j'étais mal informée par votre communiqué. Alors cela dit, si vous proposez des ateliers de cuisine Stéphanie, elle s'inscrit tout de suite. C'est lié au spectacle. Ah oui, oui, voilà. Quand les... Donc vous proposez quand même des ateliers. Mais nous, à l'année, nous on ne s'en occupe pas, mais après en lien avec les spectacles, par rapport au théâtre, etc., oui. Évidemment. Oui, il y a des spectacles. D'accord, oui, j'avais bien vu quand même. Alors par contre, vous serez dans le dispositif départemental de la Seine-Maritime, ça c'est vrai, en 2014. Racontez-nous ce que c'est avec le projet HOP. Eh ben, en fait, c'est, on a déposé un dossier pour ce dispositif.
C'est une résidence à l'intérieur d'un collège. Et pendant 1 à 6 mois, nous, on va faire à peu près 3 mois intensifs, où on répète la prochaine création dans ce collège pour que les étudiants, les collégiens viennent voir les répétitions et voient comment ça se passe, un travail de plateau. Et en même temps, on leur fait découvrir ce qu'est la danse, le théâtre, la vidéo, etc. Très bien. Bah, écoutez, Charlotte Rousseau, merci beaucoup. Vous nous avez donné, Stéphanie, envie. Et puis, encore une fois, créer des cours de cuisine pour Stéphanie, parce que quand on déjeune chez elle le soir, on n'est pas toujours très bien servi. Heureusement, il y a les boîtes... Non, je suis méchant. Vous faites des choses superbes. Eh bien, écoutez, on va passer à un autre sujet tout de suite pour être tous en forme. Oui. Mesdames, mesdemoiselles, vous restez avec nous. Ça peut être très, très instructif. Stéphanie, présentez notre amie qui est sur le plateau. À ma droite, donc, j'ai mon coach sportif qui est à côté de moi, Jérôme. Donc Jérôme, tu vas me donner des bons conseils, d'ailleurs nous donner à tous, des bons conseils pour reprendre le sport avant l'hiver. Eh bien, reprendre le sport avant l'hiver, c'est déjà choisir le bon sport, celui qui nous correspond, celui qui va coller le plus à notre personnalité en fonction de la motivation dont on a besoin. Si on est quelqu'un d'un peu individualiste, on va partir sur les activités seules, comme la course à pied, la randonnée. Maintenant, c'est l'hiver, donc il fait un peu froid. Est-ce qu'il faut se préparer justement avant de recourir quand il fait froid? Est-ce qu'il faut avoir un équipement? Alors, surtout pas trop se couvrir justement, parce que les activités en extérieur, on produit de la chaleur. Il y a quand même 80% de l'énergie du corps humain qui est produite sous forme de chaleur, donc il ne faut pas trop se couvrir. Avoir trop chaud, c'est empêcher la sudation qui a pour rôle de rafraîchir le corps. Donc ce qui est important, c'est partir avec un t-shirt respirant, un kawaii, et puis bien avoir dans la voiture quelque chose pour se couvrir quand on a transpiré, pour les étirements après, et c'est là qu'on peut attraper froid justement. Et combien de temps on peut courir quand on se remet au sport? Alors, il ne faut pas se fixer un temps trop important. Il faut accepter d'alterner course et marche, par exemple, si on veut reprendre la course à pied. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se fixer des objectifs extrêmement importants et qui, au bout d'un quart d'heure, crachent leurs poumons et se disent « je suis nul, je peux pas, faut que j'arrête ». Et du coup, ils se démotivent très rapidement. En fait, il faut juste structurer sa course, courir un petit peu, marcher un petit peu, recourir un petit peu et augmenter petit à petit les temps de course. Ça prendra le pas sur la marche au fur et à mesure. Je vois, Jérôme, que vous avez adopté, et c'est le style de la soirée, la façon de parler de bref, s'arrêter un petit peu, courir un petit peu, s'arrêter un petit peu, courir un petit peu. Juste bref, j'ai repris la course à pied. Bref, vous avez pris la course à pied. Mais moi, bref, je l'ai arrêté. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Vous savez, on est tous un peu comme ça. Alors, on veut y aller, on se dit demain j'irai samedi, puis dimanche. Quand on n'y arrive pas, on a pris la résolution dans la semaine et on n'y arrive pas. Comment on peut y arriver à se forcer? Dites-nous. Alors, y a l'option coach. Déjà. C'est-à-dire que quand on l'a derrière soi, on n'a pas le choix, c'est ça. L'avantage de la personne qui vient à domicile, c'est ça, c'est que la personne vient. Contrairement aux abonnements salle de sport, où de toute façon, ça ne résout pas le problème de la motivation. Il y a aussi le groupe de copains. Et oui, alors justement, tout à l'heure, tu parlais du sport collectif. Qu'est-ce qu'on peut faire comme sport collectif avant l'hiver? Alors déjà, vous avez reçu, je crois, Bernard Bourbon, mardi, oui, le président de la LCM en Ligue B de volley. Donc vous avez tous ces sports co, à Rouen, il y a le rugby, il y a le foot, il y a le basket, enfin voilà. Alors il est un peu tard là maintenant pour les pratiques compétitives, après pour les pratiques loisirs, on peut intégrer les clubs n'importe quand dans l'année. Le tout c'est de s'en rapprocher, et après libre à vous d'explorer... tout ce que offre l'agglomération rouennaise. Voilà, alors quel type de sport concrètement? Concrètement, vous avez le volley, le club de Marom, pour en parler encore une fois, a une structure, vu qu'ils sont en Ligue B, ils ont une structure de formation qui est extrêmement importante et développée. Vous avez la même chose pour le foot, pour le rugby, le RCR, c'est très bien aussi. Merci beaucoup Jérôme. J'aurais voulu vous demander ce que Stéphanie et moi, sur un plateau télé, on pouvait faire pendant qu'il y a un reportage qui passe. Vous savez, comme en avion, des fois on dit qu'il faut se lever, etc. Mais vous reviendrez et ça, vous nous le direz. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Et on souhaite vous revoir aussi régulièrement, parce que l'activité, le sport, on sait à quel point c'est bon et indispensable pour rester en bonne santé. Et aussi, LCN vous donnera la parole sur ces sujets-là. Le sport, ça fait vivre plus jeune. Voilà, plus jeune, plus... exactement. Et voilà, tout est dit. La minute de la formation, c'est important. Aujourd'hui, réfléchir sur son avenir, trouver des voies, des pistes, des filières. Eh bien, ce soir, c'est la formation d'aide-soignant. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie.
Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 22 ans. J'ai suivi le brevet d'études professionnelles agricoles à la MFR de Forges-les-Eaux. Les grands débouchés de cette formation sont la petite enfance, la personne âgée et les personnes en situation de handicap. Pendant cette formation en alternance, nous avons des cours théoriques, pratiques et des stages. Pendant les cours théoriques, nous avons différents intervenants qui viennent pour nous former sur divers sujets comme par exemple les accidents domestiques. Nous avons des salles pédagogiques qui sont aménagées par les formateurs avec un matériel adapté permettant de se mettre dans des conditions réelles. La partie intéressante de cette formation, c'est également la possibilité d'effectuer des stages qui permettent de mettre un pied dans le milieu professionnel. Ce BEPA est un peu une prépa à la formation aide-soignant que j'ai obtenue et qui m'a permis par la suite d'avoir un CDI en milieu hospitalier. Cette formation dure 10 mois. Pour l'intégrer, il faut être demandeur d'emploi. Elle est rémunérée par la région Haute-Normandie ou par le Pôle emploi. Grâce au BEPA, j'ai réalisé mon souhait, celui de travailler en milieu hospitalier en tant qu'aide-soignant. C'était la Minute de la Formation et de l'Emploi avec la région Haute-Normandie. Régulièrement, nous retrouverons ces minutes de la formation sur différentes filières qui vous permettent d'accéder à différents métiers. Et c'est très varié, vous nous suivrez encore sur ce thème la semaine prochaine. Et nous nous retrouvons, Stéphanie, à nouveau entourée de Thibaut, d'Estelle, de Joy, de Karim et puis également de Jennifer Gallet. Voilà, j'ai fait et un n'oublions effort, pas Draco qui est à ma droite. Bonsoir. L'excellent Draco. Oh, merci. Voilà. Moi, je suis très heureux d'ailleurs de le voir en plateau parce que régulièrement, on lance ses chroniques. Il est sur le plateau A. Et là, exactement, mon Draco, je le veux à côté de nous parce que je veux voir, veux voir de près le close-up. Alors, Stéphanie, on passe au modèle, au mannequinat. Oui, à la beauté avec l'agence JG Models créée par vous, Jennifer Gallet. Quand est-ce que vous l'avez créée ? C'est récent ? Oui, j'ai créé l'agence de mannequins en mars 2012, donc agence d'hôtesse événementielle et agence de mannequins en mars 2012. Et donc, pour être agence de mannequins, il faut être titulaire d'une licence d'État. Et vous êtes la seule en Normandie à posséder cette licence ? Exactement, il n'y a jamais eu d'autre agence en Normandie titulaire de la licence, donc on l'a obtenue en décembre 2012. Et c'est un gage de quoi ? De sérieux, cette licence ? On ne peut pas exercer le métier de mannequin et de proposer des mannequins pour des défilés de mode ou des campagnes photos si on n'est pas titulaire de cette licence d'État. Et donc, vous avez combien de mannequins avec vous, à votre service, si on peut dire ça comme ça? On a 180 personnes qui sont référencées dans l'agence, donc que ce soit hôte, hôtesse et mannequin adulte, plus de 16 ans puisqu'on n'a que l'agrément adulte. Et donc vous organisez des défilés, vous l'avez dit aussi, des salons du mariage? Oui, tout à fait. Donc on organise des défilés, que ce soit des défilés de A à Z ou de la mise à disposition uniquement de mannequins. Donc dans le cas des salons du mariage, là on organise un package complet avec une gestion complète. Et par exemple pour printemps, où on travaille pour printemps Rouen et printemps Deauville, où là on met à disposition uniquement les mannequins. Vous avez aussi des hôtes et des hôtesses qui participent à des événements de toute la Haute-Normandie. Oui, comme ce soir à la Kind Arena, pendant la rencontre du SPO en basket, où on a une équipe d'hôtesses d'ailleurs, qui est là pour... D'ailleurs, on peut les reconnaître parce qu'ils ont tous des tailleurs blancs. Oui, tout à fait. Au basket, ils sont tous en tailleur blanc. On a plusieurs uniformes à l'agence qu'on accessoirise en fonction des clients. Voilà, c'est important pour vous, l'uniforme, ça donne vraiment une allure... Tout à fait, c'est l'image de l'entreprise qu'on représente, donc il faut être dans une image qui est le plus impeccable possible. Voilà, c'est vraiment important d'avoir du choix en tenue pour aussi se diversifier et être original par rapport à ce qu'on peut voir. Est-ce que l'agence, elle recrute des modèles, des hôtes, des hôtesses ? Oui, tout à fait, on recrute à longueur d'année. On a des périodes qui sont à plus forte activité, comme en septembre et en janvier, où on repart sur des nouvelles collections, mais on recrute des hôtesses et des mannequins. Alors écoutez, je vais vous proposer quelque chose de tout à fait exceptionnel. Aujourd'hui, c'est vendredi, on a dit qu'on se lâchait un peu pour le week-end. Vous allez voir, Draco est là et je voudrais vous montrer que je fais pas aussi bien que lui, que je fais mieux que lui. Je voudrais que notre réalisateur en régie et toute son équipe cadre serré Draco. Pendant ce temps-là, vous allez voir, je vais vous faire un tour de magie. Merci de cadrer serré Draco. Voilà, regardez, pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, je suis en train d'envoyer des ondes. Draco, il est stressé, il voit que rien ne bouge, Draco. Vous voyez, je souffle sur le plateau, il ne se passe toujours rien. J'ai quasiment fini, j'envoie le fluide. Voilà, Draco. Et regardez ce qui s'est passé, Draco.
Le plateau a entièrement changé, vous n'avez rien vu. À ma droite, j'ai retrouvé Estelle, et à ma gauche, j'ai retrouvé Stéphanie. Est-ce que ça vous bluffe, ça? C'est formidable. C'est ce qu'on appelle une transposition. Alors, je vous demande votre avis. Pendant ce temps-là, effectivement, Stéphanie va retrouver son siège, et puis Estelle va retrouver ses collègues. Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite affaire? C'est formidable, je n'y ai vu que du feu, c'est vraiment très bluffant. On sait que dans la magie, il y a toujours des trucs, et là, le truc était un peu grossier. Bon, écoutez, on fera mieux vendredi prochain, Draco, vous revenez vendredi prochain et je vous assure, on aura un peu répété. Alors moi, j'ai quand même une dernière question à poser à Jennifer. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être mannequin ou hôtesse? Alors, pour être mannequin, il faut mesurer minimum 1m72 pour les femmes et 1m82 pour les hommes. Ensuite, on n'a pas de critères stricts de mensuration puisqu'on a aussi des mannequins grande taille dans notre agence, au contraire, pour représenter toujours notre client. Et pour les hôtesses, il faut être souriante, dynamique, rigoureuse et avoir un sens du relationnel. Voilà, donc votre agence, elle est basée à Bapaume-les-Rouen, c'est ça? Tout à fait, à Bapaume, à quelques minutes d'ici. Merci beaucoup, c'était super, super sympa. Et puis, me permettre comme ça de faire des petits tours de magie, moi, j'adore. et maintenant, on va retrouver l'agenda de Stéphanie. Alors, le week-end approche, donc je vous conseille une exposition Michel Lecomte de A à Z au Centre d'art contemporain de Saint-Pierre-de-Varangeville. Alors, Michel Lecomte, cet artiste, il était originaire de Sotteville-lès-Rouen. Il était passionné par la course automobile et cette exposition regroupe des œuvres sur la Formule 1, sur Alpine, sur les 24 heures du Mans. Il était d'ailleurs le peintre officiel des 24 heures du Mans. Sa technique dans ses œuvres, il pouvait aussi bien utiliser l'encre, le crayon pour les portraits de pilotes, le crayon de couleur aussi. Et ce qui lui importait le plus à cet artiste, c'était vraiment les relations humaines. Pour lui, l'humain, c'est ce qui était au centre. Et par exemple, il ne pouvait pas vendre une œuvre à une personne qu'il n'appréciait pas. Alors dépêchez-vous pour voir cet artiste, Michel Lecomte. Son exposition se termine le 27 octobre. Alors Sylvain, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est bientôt à quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre au Havre. D'ailleurs, ça commence ce week-end et ce pour 10 jours, les préparatifs. Exactement, il y a 10 jours de festivités au Havre. Donc on peut déjà admirer les 44 voiliers de la Transat Jacques Vabre. Donc il y aura aussi 88 skippers. Ces skippers, on pourra les voir demain lors d'une cérémonie officielle samedi à 19h. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette Transat Jacques Vabre, son parcours, c'est le plus long de l'histoire de la course, puisque la course fait 5400 milles nautiques entre Le Havre et Itajaí au Brésil. À ne pas manquer également pendant ces festivités, c'est le 2 novembre à 20h le feu d'artifice, et bien sûr le 3 novembre à 13h02 le départ de la course pour le Brésil. Alors ce soir, peut-être que vous avez été un petit peu perturbé dans les rues de Rouen, c'est l'ouverture de la foire Saint-Romain. Est-ce Youpi. Que vous irez? Alors ça, j'y vais et je vous emmène, vous savez, dans ce que j'appelle la boule folle. Moi, c'est la boule là qui est aimantée, les élastiques se tendent et puis hop, on part. Mais Stéphanie, on y va tous les deux. Exactement. Et cette fois, on a le temps d'y aller tous ensemble, même avec vous, Draco. Oui, avec Draco. Voilà, trois dans la boule, ça va être la génial. La foire, elle dure jusqu'au 24 novembre. Il y aura juste un petit changement cette année, c'est l'emplacement. Elle est un petit peu décalée en raison des travaux, cette foire. Et les forains prendront place donc du pont Boileau jusqu'au 106. Et d'ailleurs, j'en profite, lundi dans la quotidienne, nous recevrons Richard Lapeyre, un des représentants du comité de la foire Saint-Romain. Une dernière chose, Sylvain, vous m'aviez dit cette semaine que vous aimiez le rock'n'roll. J'adore le rock'n'roll, yes. Alors, c'est le moment d'aller au festival Rock'n'Obed de Saint-Léger-du-Bourdonnais qui a lieu ce soir et demain samedi à partir de 20h30. Vous pourrez voir 6 groupes locaux, 3 ce soir et 3 demain soir, comme The Mockers, Mystify, Clair et Obscur. Alors, on regarde ensemble un extrait de ces groupes qui se produisent au festival Rock'n'Obed. We'll be right back.
Merci beaucoup Stéphanie, vous êtes super sympa de me donner le genre musical que j'aime. Redonnez-moi du Bruce Springsteen la prochaine fois aussi, j'adore le boss. Draco, vous êtes toujours avec nous ? Oui, j'adore Bruce Springsteen aussi. C'est vrai, Bruce Springsteen, le boss. Hein. Le boss, exactement. Le boss, des concerts fleuves de 3 à 4 heures. Exactement. Tout guitariste qui se respecte s'incline devant Bruce Springsteen. Exactement. Et nous aussi. Vous êtes toujours là Draco ? Toujours. Je suis plus sûr de rien avec vous. c'est moi. C'est sûr que c'est pas virtuel. Non, c'est bon. Tapez-moi dans la main. Bon, face à vous, Draco, c'est pas virtuel non plus, c'est Camille. Alors, Camille de Rouen, qui s'est présentée, mesdames, messieurs, à l'élection Miss Rouen. Et elle est l'une des 8 finalistes qui ont été retenues. Camille, Draco, vous me la faites pas disparaître. Non, c'est plus. Promis. C'est promis, hein, vous non, la laissez un peu sur le plateau. Camille, bienvenue. Hein, c'est peut-être une des premières apparitions télévision, et vous en ferez peut-être bien d'autres si vous êtes élue, parce que ça dure un peu comme Miss France, toute une année. Racontez-nous un peu... très concrètement, les coulisses. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est présélectionné ? Comment est-ce qu'on vous prépare à la manifestation qui va avoir lieu et vous nous direz quand ? Comment on vous prépare ? Eh bien, déjà, tous les dimanches, nous avons une répétition. Donc, pour faire comme c'est vraiment un vrai spectacle. Du coup, on prépare ça pendant 2 mois. Et après, l'élection se passe le 9 novembre à la Toile. Le 9 novembre à la Toile. C'est à quelle heure ? C'était à 20h. Est-ce qu'on peut tous aller vous voir ? Oui. Est-ce qu'on peut tous aller soutenir Camille de Rouen ? Allez, on est partial. Vous avez l'appui de LCN et ça nous fait plaisir. Vous faites des photos aussi parce que vous apprenez à vous présenter en studio photo. Vous faites un book. Comment ça se passe ? Donc, on a un photographe attitré qui s'appelle Marc Cauchois. Donc, qui nous prend en photo et puis après on a quelques autres petits shootings à droite à gauche. Est-ce que, dernière question, est-ce que vous avez un pronostic sur l'élection ? Est-ce que vous vous dites je vais être élu ou est-ce que vous êtes complètement dans le flou ? Ah non, je ne sais pas du tout parce que toutes les candidates sont quand même assez jolies, donc je ne sais pas du tout. Eh bien écoutez, c'est très très fair play, vous voyez, ça se passe très bien dans le monde des Miss puisque Camille, effectivement, rend hommage à ses candidates et reconnaît leurs qualités, leurs valeurs. Stéphanie, allez, un petit mot gentil à Draco parce que je crains que ça ne se termine mal, cette affaire. Non, moi j'aime beaucoup la magie, alors Draco, qu'est-ce que tu nous as préparé comme tour ? Un petit tour comme ça, rapide. J'ai été reine de Rouen, moi aussi, en 1967. Tu avais donc, d'ailleurs des cheveux. Voilà, exactement. Exactement, j'avais une longue chevelure. Oui. Alors, il faut juste choisir une carte, Stéphanie. Alors, voilà, la montrer à tous nos amis téléspectateurs. Bien sûr, on montre que toutes les cartes sont différentes. Et Stéphanie va signer cette carte pour la rendre unique au monde. Voilà, donc la signature sur la face de la carte, bien sûr, Stéphanie. Sinon, c'est pas grave. Je connais le tour, de toute façon, il n'y a pas de souci, on va improviser. On perd la carte de Stéphanie à l'intérieur du jeu, comme ceci. On regarde bien, Camille. L'idée, c'est de retrouver la carte de Stéphanie. Alors, sans regarder, on va remettre les cartes dans l'ordre, vous voyez pas. Et si tout va bien, une carte va traverser tout le jeu pour remonter sur le dessus du jeu, pas n'importe laquelle, le 4 de trèfle. Alors, Stéphanie se dit, ça n'est pas ma carte, je sais, c'est le 4 de trèfle. Mais si on claque des doigts, la carte se transforme en 3 de trèfle avec une signature. Est-ce que c'est la bonne ? Oui, c'est la bonne. Je suis bluffée. C'est la première fois que ça marche. Alors, en général, quand les gens aiment le tour, ce que je fais, c'est que je laisse un souvenir. Donc, j'ai dans un portefeuille qui n'est pas le mien. Je me demande si ça n'est pas le vôtre. Je ne peux pas m'empêcher d'être pickpocket. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Alors, en général, les gens qui ont du goût mettent toujours des cartes exceptionnelles, de gens exceptionnels dans leur... il se trouve que c'est la mienne. Il y a toujours une petite pochette secrète. Et à l'intérieur de cette pochette secrète, si on regarde, il y a une carte qui dépasse. Wow. C'est un 3 de trèfle et je crois qu'il y a une signature. Wow. Est-ce que c'est bien celle de Stéphanie ? Je crois que oui, c'est ça. Oui, c'est la mienne. Stéphanie, réellement, vous confirmez, c'est bien. Ah oui, je n'ai vraiment rien vu. On n'a rien répété. Pourtant, hein, ouais. Je garde le portefeuille en souvenir, on verra si je le rends après ou pas. Merci à vous. Bravo. Voilà, extraordinaire Draco, et revenez nous faire du close-up. Je demanderai au cadreur plateau la prochaine fois de cadrer encore plus serré. Je veux que ça soit à 3 cm des mains, des manches, avec tout ce qu'il y a dedans, pour que vraiment on surveille tout, Draco. Merci, vous êtes absolument extra. Merci beaucoup Camille. Est-ce que vous aimez la BD ? J'adore la BD. Vous avez lu l'album d'Astérix qui est sorti ? Pas encore. Peut-être vous le lirez-vous. En tout cas, il n'en sera pas question dans cette chronique. Bien d'autres choses. C'est la chronique BD maintenant.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Punk Rock Jesus, album sorti aux éditions Urban Comics, dernier album de Sean Murphy. Punk Rock Jesus, bon, alors quand on voit la couverture on se dit ouais c'est sur le rock'n'roll et tout, bah oui, mais c'est surtout la télé-réalité. Dans un avenir plus ou moins lointain, un monde imaginaire, futuriste, un producteur énormément fortuné a racheté le sanctuaire de Turin, a fait extraire l'ADN qui était dessus et a décidé de cloner Jésus. Voilà, alors... Est-ce que le sanctuaire, c'est vraiment celui du Christ? Voilà, on se pose la question tout au long de l'album, mais le clonage va réussir, un enfant va naître. Et il est dans une tour, une immense tour, extrêmement protégée, et on le suit 24 heures sur 24, et c'est le programme télé le plus regardé au monde. Comment va-t-il devenir? Est-ce qu'il va faire des miracles, etc. Sauf que c'est une prison dorée, d'être tout le temps sous la caméra. Sa maman, qui est une mère porteuse, qui était vierge, qu'on a pris parce qu'elle était très gentille, affable et tout, même si on lui a fait refaire les seins, le nez, la bouche, etc. Elle tombe dans une dépression, elle va biberonner sévère, et puis elle voudrait bien sortir, elle voudrait voir le monde. Et puis il y a un garde du corps aussi, un ex-agent de l'IRA qui a aussi travaillé pour les services secrets britanniques, Michael, qui est très particulier, qui va prendre très à cœur de sauver cet enfant, enfin de le protéger tout au moins. Et à l'extérieur, qu'en disent les gens de ce clonage? Alors, il y a les fondamentalistes chrétiens qui voient ça comme une hérésie, qui veulent le faire sortir. Alors, à un moment, ils sont pour lui, ils veulent qu'il soit avec eux, et puis à un autre moment, ils vont être contre lui. Et on est baigné là-dedans, c'est un espèce de thriller contemporain, politico, et complètement foufou, parce que Chris, on va pas l'appeler Jésus, on va pas l'appeler Chris, sa mère a décidé de l'appeler Chris, va finir par sortir. Le producteur, qui est un espèce de pygmalion, mais qui, c'est sa chose, hein, il veut la garder, et puis c'est aussi son revenu, va finir par accepter que Chris, à l'aube de l'adolescence, quand il se rebelle, qu'il va découvrir que tout ce qu'on lui a inculqué, c'est-à-dire qu'on lui inculque l'éducation au niveau du créationnisme, hein, Darwin, ça n'existe pas, les relations sociales, tout ça, non, on n'aborde pas, tu dois être bien dans le moule, mon petit garçon, eh bien, il va sortir, il va découvrir le monde extérieur, et il va découvrir aussi le punk rock, et il va prendre parole en montant sur scène, en empoignant le micro et en balançant les décibels. Ça s'appelle Punk Rock Jesus. C'est un excellent conte sur la télé-réalité et sur les mythes et légendes et la foi aussi. Ça y touche énormément. Punk Rock Jesus de Sean Murphy aux éditions Urban Comics. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Camille, la BD, est-ce que c'est un genre littéraire que vous appréciez? Vous lisez des BD? Non, je ne lis pas beaucoup. Non? Des ouvrages? Allez, je vais vous piéger là. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Les Liaisons dangereuses de Laclos. Eh ben écoutez, excellente réponse, voyez, bravo les miss. Draco, vous, la BD, ça vous branche? Oui, j'aime beaucoup la BD, ouais. Qu'est-ce que vous lisez alors? Vous êtes BD-phile Alors, pas assidu, mais le dernier en date, ça s'appelle Les Excalibrius. Je vais faire la pub à Grégoire Pont, qui est quelqu'un excellent et pour les enfants comme pour les grands. Avec beaucoup d'humour et un beau graphisme. Le tome 2 vient de sortir, donc voilà. Stéphanie, le programme sur LCN ce soir à suivre? Alors ce soir à 20h50, pour tous les amateurs de hand, vous pouvez voir le match Vernon-Besançon. Et ce week-end, Sylvain, qu'est-ce qu'on peut voir sur LCN? Eh bien ce week-end, d'abord, samedi et dimanche, je vous recommande à 10h les deux jours l'émission La Pêche d'Enfer. Demain soir à 20h30 sur LCN, un concert de Von Parias. Et puis, je vous recommande à nouveau l'excellente émission Terre d'en France de Jacques Legros, qui vous est présentée dimanche soir à 20h30, qui vous emmène de région en région. Et encore aussi, je vous recommande un reportage dans cette émission dimanche soir sur l'abbaye de Jumièges en 3D, qui a d'ailleurs été réalisé par une équipe de LCN. Voilà les amis, c'est la fin. Merci Draco. Merci. Stéphanie, on se retrouve très prochainement. Très très prochainement, et même la semaine prochaine. Voilà, bon Camille, on vous souhaite tous les meilleures chances et on vous souhaite d'être élu, bien sûr. Chers amis, vous nous avez suivis toute la semaine, ça nous fait très plaisir. Vous savez que cette émission, on l'a fait pour vous avec beaucoup de cœur. On souhaite vous retrouver nombreux dès lundi sur LCN, même plateau, même heure, 18h15 en direct. On vous souhaite un très très bon week-end.